Charles Caladian, je suis le président de la société nautique de l'Estaputlage. J'ai ce bonheur donc de présider donc cette association qui est pour moi très importante car je suis ici depuis l'âge de 5 ans. Quelques années donc on s'efforce de développer des manifestations et des activités qui préservent donc le patrimoine maritime local. Nous présentons la petite plaisance. Essentiellement. Aujourd'hui, c'est la fête des... barquettes. C'est la fête des barquettes. Des barquettes, des voiles latines, des bateaux de tradition. À reconnaître ce patrimoine maritime, préserver les barquettes marseillaises qui nous restent et encourager les propriétaires de ces bateaux à les conserver parce que nous en avons déjà beaucoup perdu et ceci est regrettable. Il y a une partie décorative, par exemple les manches-couteaux, c'est une tradition chez les marins d'avoir le manche-couteau décoré. Ce bateau-là, c'est le Monte Cristo. Fabrice Reynaud, le réalisateur de cette fête des barquettes, bateau d'avant de la Staco, créée en 2017. Je suis pompier. En 2017, j'ai eu l'idée de créer cette fête car invité au MAS c'était au Vieux-Port avec notre ami Olivier Belgoden. J'ai fait ça pendant 2-3 ans, ça nous a plu et puis après je me suis dit pourquoi pas faire ça sur l'Estac, ça n'existe pas. On a créé les bateaux d'avant de l'Estaco. C'est mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Moi, je vous déconseille. Les bateaux avec les roues, ouais, je te le dis. Voilà. Les roues, c'est mieux. Et pourtant, tu vas monter dans un bateau en bois, là. Ah ben, on va faire avec. Hein. Et on est sur le bateau, j'espère qu'on ne va pas couler. Finalement, tu es venu sur le bateau. Hein. Nous partons en basquette marseillaise. Alors moi, je suis Eric. Eric, le patron de Patou. C'est le bateau sur lequel nous sommes. Voilà. C'est une barque marseillaise de 1973. Elle est... Jusque chez les Soulous, les plus forts malgré tout, ce sont ceux de chez nous, les pescadous de la Martiale, sans des vieux loups, que rien n'égale, ils iraient n'importe où. Elle est pas très vieille, mais elle a été fabriquée par un charpentier marine de l'Estac. Il s'appelait Noguera, et il se faisait appeler Zé. Voilà, c'est Zé qui l'a fait. Ce sont des casse-cous dans le yo-yo, de la sardine aux plus grosses toiles. Dans leur filet, ils prennent tout. Ouais, c'est bon, il rentre là. Ouais, c'est serré quand même. Je suis à ma troisième place. Pourquoi on n'a pas coulé. Je suis content pour vous. Mais si vous revenez cet après-midi, il y a encore des chaises. Vous voyez là, c'est parce qu'on végétalise le port de plaisance de l'Estac. C'est un essai de bouture d'une encre marine. Bon, a priori, il n'y a pas vraiment de pousse, mais il y a des palmiers. L'encre qui a été déposée dans un chantier abandonné, nous l'avons valorisée. Hein. Le repos des guerriers, avant de reprendre, c'est excellent. Une manière de voir les choses et de boire les choses. Là, c'est de la bière, mais en fait, je suis polycarburant. Il ne s'en fait pas et chante lui aussi.